Troisième jour en Cappadoce. Donc, bon, là, j'ai pas grand-chose à vous dire, en fait, parce que tout le monde est en train de manger. On vient de faire une petite vallée dont j'ai oublié le nom. Et là, on est sur un pique-nique à manger des petites saucisses. Bon, alors, tout le monde va se présenter. On va faire le tour et puis je vais recueillir les impressions de chacun. Si, ça va être sympa, ça. Alors, on va commencer. Et... Bon, Claire, voilà. Claire. Claire, très contente d'être ici. Excellente, très bien reçue. Excellente randonnée ce matin et super. Ok, Sébastien. Donc Sébastien. Mais Sébastien, tout le monde te connaît déjà, j'ai l'impression. Oui, je ne sais pas. Donc très très belle découverte et puis très très bon repas, très très bonne ambiance. Tout est parfait. Derrière, on a Thierry. Thierry pour les Belges. Thierry. Super paysage et bon accueil à visiter. Franchement, la Cappadoce, c'est à faire. Derrière, Pyongyang. Jacques. Ouais, c'est très... Très 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 joli paysage, très très, très joli vue et beau paysage ici et bon repas. Ouais, bon repas. T'as mangé ta saucisse? Ouais. Ouais. Bon. Derrière, Laura, va falloir parler fort derrière. Ben oui, mais moi j'ai déjà fait un live. Ouais, tout le monde te connaît déjà. La Belgique représente, et alors je remercie celui qui a demandé des frites au petit déjeuner pour nous. Voilà. Derrière, je vois pas bien, il va falloir m'aider. Derrière. Caro. Alors, moi c'est Caroline. Plus fort, Caroline. C'est vraiment waouh. Ouais. Qu'est-ce que tu as préféré, Caroline? À part la saucisse. Et les frites au petit. La randonnée. La randonnée? Bah oui, en même temps, on n'a fait que ça. Les paysages. Voilà, les paysages. Voilà. Derrière, je vois pas. Élodie. Moi, voilà, j'adore. Et le village du Chissard hier matin, magnifique. Comment tu as dit? Tu nous rappelles ce que c'est que Chissard? C'est une forteresse. Ouais, une forteresse. Ouais, on va. Ouais. Une très belle vue et des bons petits restos. Voilà. T'as goûté les restos? Non. Les restos. À côté. Léa. Léa. Léa magnifique, mais je suis en train de crever, trop de randonnée. Léa est déjà morte. Oh. Ok. Je suis pas prête pour demain, mais c'est très beau. Voilà. Et parce que demain, on part dans le Mont Taurus et là, on va mourir. Voilà. Donc, tout au fond. Élodie. Alors moi j'adore, les Turcs sont très accueillants et la vue, voilà, les paysages sont exceptionnels. Donc Élodie adore les Turcs, comme Clé. Petit message. Voilà. Thomas. Oui, on m'appelle Thomas et puis... ouais, Thomas s'appelle Thomas. Ouais, merci Thomas, c'était intéressant. Et du coup, oui, c'est une grosse diversité de paysages et c'est très beau. Voilà. Et Jonathan. Bon. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'original à nous dire? Ça serait bien. Donc à côté, on a Eva. Moi, j'adore les pique-niques. Et là, c'est vraiment génial. Donc Eva est venue que pour le pique-nique. D'accord. Donc à côté, c'est Laure. Non, c'est la Cappadoce est très très belle et les paysages sont magnifiques aussi. Et les troglodytes, on a vu la jazz, c'est très beau. Voilà, donc ceux qui nous regardent, si vous aimez, suivez, parce que si on en refait l'année prochaine, vous aurez peut-être l'occasion de venir nous voir. Donc, à côté. Sandrine. Ah, Sandrine, ouais. Tu me rappelles qu'il faut qu'on fasse ça cet après-midi. Du coup, effectivement, la randonnée, moi j'ai bien aimé aussi les randos qu'on a faites. Un petit peu comme tout le monde, les paysages. Et puis là, le pique-nique avec un cadre exceptionnel. Vraiment très sympa. Et l'accueil au top. Alors, Patricia. Un paysage magnifique, accueil très sympathique, pique-nique au top. Dans un endroit vraiment époustouflant. Tout va bien. Très bien. Amélie.
Moi j'ai aimé les marchands de tapis. D'accord. Ah, c'est toi. Alors Amélie est enfermée avec plein de Turcs dans une petite pièce. Elle est sortie aux anges. Et aussi j'ai aimé les églises. On a vu des belles églises en ruine, c'était intéressant. Et c'est son anniversaire. Ouais, bon anniversaire. Ouais. Eh bien, Émilie, pardon. On n'a pas marché encore. Non, mais vraiment, coup de cœur pour la Capado, c'est magnifique. Et puis, pareil, ouais. Et la population, adorable. Donc, Voilà, et pour finir, la Corinne du Pays Basque. Corinne qui a été. Coco. Pour l'accueil, je dirais, pour certains, c'est super. Seul, il y en a d'autres, il faut voir. Mais il y a de jolis Turcs barbus et jeunes. C'est parfait. Voilà, aux anges. Bon, voilà, on va finir de pique-niquer. Merci à vous tous. À demain. À demain. À demain.